Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Première vidéo de l'année. Alors d'abord, je suis toute baissée, je ne suis pas assise, vous allez savoir pourquoi après. Alors d'abord, comme c'est la première vidéo de l'année, je vous souhaite à tous et toutes une excellente année 2021. Qu'elle soit 100 fois meilleure que celle que l'on vient de passer. Je vous souhaite à tous... surtout une bonne santé, du travail à ceux qui n'en ont pas, des sous-sous, plein de bonnes choses et plein de jolis loisirs comme d'habitude. Voilà, on ne peut vous souhaiter que de bonnes choses pour cette nouvelle année et en espérant qu'elle sera meilleure. Voilà, on oublie maintenant l'année qui vient de se passer. Hop, celle-là, on la chiffonne, on la met à la poubelle. Et donc, pour cette nouvelle année, cette première vidéo, je commence par... c'était un peu le thème qui s'imposait. Ma broderie du nouvel an. Voilà. Donc, je vais vous montrer la préparation de ma broderie du nouvel an. Comme vous savez, je vous avais déjà expliqué, il y a une tradition chez les brodeuses qui est de faire une broderie, de commencer une broderie. Et puis de voir, pourtant j'ai pas fait la fête. Hein. De commencer une broderie le premier jour de l'an, voilà. Et bon, on peut la faire sur un mois, sur 12 mois, hein. On fait comme on veut. Et donc moi, j'avais choisi... Donc celle-ci, je vous l'ai présentée sur la vidéo d'hier, donc de l'année dernière. Donc moi j'ai choisi de faire la Lily Point, voilà, la compote de poire vanillée. Donc elle est assez simple. Oui, elle est simple, mais il y a beaucoup d'écritures. Donc les écritures, c'est pas toujours très très simple, hein. Il faut bien suivre. Elle n'est pas très grande. Donc, c'est une 189 sur 189 points. Donc, pour vous, ceux qui font déjà de la broderie, ils vont comprendre. Hein, sur du 6 points, ça fait 31,5 sur 31,5. Sur du 7 points, ça fait 27 sur 27. Moi, c'est du 11 fils, c'est de l'étamine. Et donc, ma broderie, il me faut... Alors, avec une marge de 5 cm de chaque côté, ça fait 43 virgules et des poussières. Bon, donc je vais calculer 45 sur 45, mon tissu. Et parce que comme ça, je vais faire... J'ai pas de voix ce matin, je sais pas pourquoi. Et comme ça, je vais faire une petite bordure à la machine pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Parce que l'étamine, ça... À la longue, ça s'effiloche. Vous voyez, ici... Pourtant, je ne m'en suis pas encore servi, ça a juste été coupé, mais ça s'effiloche. Voilà, donc il faut faire une petite bordure pour plus que ça bouge. Donc là, j'ai mis à chauffer mon fer parce que je vais lui donner un petit coup de fer. Là, ce qu'on va faire d'abord, c'est la couper. Donc je vais vous baisser. Alors vous voyez, là je suis debout, c'est pour ça que vous voyez la moitié de ma tête et que je m'étais baissée. Alors, j'espère que vous avez tous passé un bon réveillon. Bon, nous, on n'a rien fait de spécial. Hein. Voilà. Faites pas attention, hein, la table à repasser, elle est vieille. J'ai oublié de préparer mes ciseaux. Mais voilà. Oui, je disais, ma table à repasser est très vieille. Il faudrait que je change la housse. Mais bon, tant qu'elle tient le choc, hein, on ne va pas s'embêter. À ne pas dépenser des sous pour rien. Alors, vous voyez, j'ai encore quand même beaucoup de tissu pour faire de la broderie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de refaire sur l'étamine, de ne pas racheter une toile. Alors, on va voir ce morceau, combien il fait. Hop, hop, hop. Chouette, c'est bien. Il fait 52,5. Alors, là, j'ai une petite lisière. Donc, on va commencer à compter à partir de la lisière. Oh, j'ai un petit rhume ce matin. C'est pas bien. Donc, je disais, nous, on n'a rien fait de spécial. J'ai juste fait un petit repas amélioré, on va dire.
J'ai juste fait une petite entrée froide et un gâteau tout chocolat. Ceux qui sont sur mon Facebook ont vu les photos. Je vous mettrai la photo sur la communauté. Comme ça, vous verrez ce qu'on a mangé. Alors, 45, c'est ici. Voilà. Donc, on va remettre un 45 là-bas. Oh là là! Bon, par contre, ce qui était du couvre-feu à 8 heures, nous, on a entendu pas mal de voitures passer dans notre rue. Hein. Et on a eu des gens derrière chez nous qui ont carrément tiré un feu d'artifice. Mais bon, il y a toujours des abrutis, hein, que voulez-vous. Enfin, c'est encore trop, pas trop grave hein, quand je vois ce qui s'est passé en Bretagne hein, hier. 1000 abrutis qui se sont réunis dans un entrepôt là pour faire une rave party pour le nouvel an. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte, mes gens? Allez, on va couper ça. Donc, je vais couper après mon épingle. Comme ça, je suis sûre de couper un peu plus grand que la normale. Les tamines, j'aime bien, parce que la trame de la toile est régulière. Avant, je savais faire sur du lin, mais avec mes yeux, je n'y arrive plus. Bon, ça, je replierai après. Je pourrais encore faire pas mal de l'ouvrage avec. Bon, ça, je vais le laisser pour l'instant, vous voyez. Ce sera comme ça ne va pas s'effilocher. Je le couperai quand j'aurai terminé. Et là, donc, oui, c'est dans ce sens-là, je crois que... Et ici, oui, j'ai 52. Donc là, il faut que je compte 45. Mais ça va me faire une petite bande à couper, je pense. Mais je vais regarder. Alors, 45. Voilà. J'aime bien ce mètre, c'est un DMC. Vous appuyez au milieu. Et il se bloque. Oui, voilà. Ça y est, ça va me faire une petite bande. Je peux en avoir besoin pour faire sur une serviette ou... Hop. Je vais piquer là. Ou pour faire des ATC, pour faire... voilà. Hop. Et 45... Ici. J'espère que vous voyez bien comment j'ai mis. Il faut que je me... Hop, 1, 2, 3. Que je me fais un... Que je m'achète un pied qui aille un peu plus haut. Pour... parce que celui-là ne va pas très haut. Et qu'il puisse prendre, vous savez, comme ça, au-dessus. Quand je suis à mon bureau, ça, il fait... j'ai trois pieds qui peuvent le faire mais qui ne le font pas quand je suis quand je suis debout. Voilà, donc là pareil, je vais couper. Donc ce petit bout là, vous inquiétez pas, il n'est pas perdu. Excusez-moi, je renifle, mais je sais pas, ce matin, petit rhume. Et là, je touche du singe, donc je touche ma tête. Ma langue va bien ce matin. Voilà. Donc là, je vous fais ça ce matin, parce que cet après-midi, j'ai mes petits-enfants qui viennent. Comme c'est les étrennes... Je leur ai demandé de venir. Enfin, ils seraient venus. Hein. Je n'avais pas besoin de leur demander de venir. Ils seraient venus. Mais
Donc voilà. Donc là, mon fer est... Je vais donner un petit coup de fer, désolé pour le bruit. Juste pour enlever les plis. De toute façon, après, il faudra que je marque le milieu. Voilà. Donc voilà, ma toile 45 sur 45. Bon, il y a un peu plus, hein, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, ça s'effiloche. Donc là, je vais faire une couture. Juste, je vais faire un zigzag tout autour, sauf là, ce côté-là, puisqu'il y a une bordure. Ah, je cherche le mot. Enfin, vous avez compris, il y a ça. Hein. Donc, je ne sais pas si elle... Ah ben, non, il n'y a pas le nom de la toile. Voilà. Alors, j'aurais bien essayé de vous déménager à la machine à coudre, mais ça ne va pas fonctionner. Je ne pourrais pas mettre mon pied là-bas. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, voilà, c'est fait. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux, vous voyez. Donc, j'ai juste fait un zigzag. Hein. Bon, c'est pas net, 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 mais on s'en fout. Voilà, c'est juste pour que ça ne s'effiloche plus. Donc, je l'ai fait en bleu. Je m'en fiche, je n'ai pas changé ma bobine non plus sur ma machine. De toute façon, ça, on s'en fiche, après on ne le verra plus. Voilà, donc comme ça, ça va empêcher ma... Donc j'ai fait tout le tour, hein. Voilà. C'est pour empêcher la toile de s'effilocher encore. Voilà. Donc, je vais couper un peu ce qui continuait, ce qui s'était effiloché au début. Hop, voilà. Et maintenant, on est tranquille. Donc, je vais donner un petit coup de fer. Et maintenant, il faut que je marque le milieu. Alors, surtout sans compter ma petite bordure, là. Hein, parce qu'elle n'en fait pas partie. Donc là, je ne marque pas avec le fer, hein. Je vais marquer avec mon épingle d'abord. Ah. Et voilà. Mon milieu. Alors, est-ce que je vais savoir vous le montrer? Voilà, j'ai mon milieu ici. Donc, c'est là que je commencerai mon ouvrage. Faire autour et voilà. Donc maintenant il me reste à préparer mon fil sur mes petites bobines. Donc ça, vous, je vais vous le montrer, je vais vous le filmer. Donc ça, on va faire ça en bas. Donc je parlerai pas en même temps parce que en bas Chouchou est en train de regarder la télé, vous le savez. Et puis je commencerai mes premiers points. Voilà. Alors attendez. C'est embêtant hein, d'avoir un pied trop petit. On est obligé de se mettre comme ça pour qu'on se voit. Donc, je vais m'acheter un pied un peu plus grand parce que je vous jure que c'est vraiment pas pratique. Non? On va attraper le torticolis comme ça. Allez, on se retrouve tout de suite. Thank you.
Thank you.
Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Alors, comme vous avez vu, ça y est, j'ai fait mon premier petit carré de broderie. Donc là, après la vidéo, je vais continuer à broder. Je vous ferai certainement une photo et je vous mettrai dans la communauté. Alors, vous, la communauté, vous allez sous la bannière de ma chaîne et vous voyez, il est noté communauté. Et vous pourrez aller voir donc dans cette petite rubrique. Je vous mettrai certainement une photo d'où je suis arrivée ce soir sur ma broderie. Donc vous avez vu, puisque si on en arrive là maintenant, c'est que vous avez vu le ce qui précédait dans la vidéo. J'ai laissé mes fils en l'air, donc je suis en train de faire ma broderie avec la méthode parking. Voilà, pour éviter de couper mes fils, de refaire le fil. Voilà, donc la méthode parking, c'est-à-dire que l'on... Je suis essoufflée, je viens de monter l'escalier. Voilà, la méthode parking, c'est-à-dire que là, moi, je vais travailler par carré. Donc les carrés, c'est des 10 points sur 10. Et je remets mon fil là où il y a le prochain point dans le carré suivant. Voilà, je remonte le fil. Comme ça, ça m'évite de le couper et de refaire des nœuds ou de... Voilà. Donc, c'est ça la méthode parking. Bon, si vous avez besoin d'avoir une vidéo un peu plus nette, un peu plus... zoomer, voilà, sur cette méthode, dites-le moi, je vous le ferai. Voilà, mais il n'y a rien de compliqué, hein, mais je vous referai une vidéo là-dessus. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser, parce que là, il est quelle heure? Bon, il est 12h45, donc je vais faire le montage de la vidéo, et je vais continuer à broder un petit peu, en attendant mes petits-enfants, voilà, qui vont venir cet après-midi, faire un gros bisou à leur mamie, et à leur papy. Voilà, c'est leur papy, mais par alliance, mais bon, il l'appelle papy. Hein. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une merveilleuse année. J'espère qu'elle va vous apporter tout ce que vous souhaitez. Et puis, à votre famille également. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.